Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite deck tech. En fait, pas vraiment une deck tech, juste on va se faire On plaisir se avec. régale. On va se régaler avec un petit deck Lich Combo. On vous avait déjà fait un petit peu les prémices de cette combo si vous avez regardé notre live OPSP sur Red Shadow Legends. On avait Harry buildé au préalable Le autour de nid de Nid titan. Titan. Et en fait, dans le build de Nid Titan, on s'est rendu compte quand même que Lich Souterrain et le Gitrog Monster. C'était mieux que le Nid Titan. C'était pas mal. Du coup, on a cherché The Best Decklist à jouer. Et franchement, celle-là, elle est solide. Yep, comme pas mal de decklists exotico, mais compétitives presque. Elles viennent de MTG Goldfish. Merci beaucoup à Safranolive du coup pour la decklist qu'il a mis sur son Twitter. Je sais pas s'il l'a joué d'ailleurs, parce qu'il l'a juste présenté comme ça. Donc on On n'a va la jouer aucune pour idée lui. de ce qui se passe avec cette decklist. Mais elle est. Exotico compétitive. Elle est quand même ultra stylée avec que des créatures puisqu'on joue Umori. Elle datait d'avant le changement de règles des compagnons, d'ailleurs, donc je ne sais pas si il aurait envie de modifier quelque chose. Je pense qu'elle est belle comme ça, moi, qu'il faut pas toucher, Ouais, mais. elle me sied comme ça. De toute façon, t'as quand même envie de jouer créature, full créature, parce qu'avec tes artisans fielleux, tu veux pouvoir aller chercher toutes les bêtes de ton deck et tout. Donc en fait, tu Umori est un petit peu gratuit. On n'a pas build round autour de lui. Donc même avec le nerf des compagnons, tu peux laisser Umori et avoir accès pour 3 mana à ton Umori si tu le souhaites. Exactement. Comme d'habitude, du coup, avant de commencer à parler un petit peu plus en profondeur de la decklist, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip si vous voulez nous soutenir gratuitement. Sinon, il y a le code VALEPL2020 sur la boutique Magic Bazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne accès, du coup, avec ce code, lorsque vous l'utilisez, enfin, qui vous donne pas accès, mais qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de la commande. 1 euro dépensé égale 1 point de fidélité. Si vous avez 150 points, vous pouvez avoir un bon d'achat, pardon, de 5 euros à valoir sur l'entièreté de la boutique. Et il n'y a pas de limite à l'utilisation de ce code, enfin au niveau du montant. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel montant, tout petit, énorme, moyen, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas, voilà, ça régale, ça fait plaisir. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Merci beaucoup. Code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Store. Et encore merci. Voilà. Du coup, cette decklist, on va parler de la combo en fait, puisque les autres cartes n'ont pas un énorme intérêt, à part ne pas mourir et trouver Bah, la combo. les autres cartes, c'est du liant, trouver la combo ou s'accélérer en mana. Voilà. Exactement. Donc la combo, c'est trois cartes, c'est Oracle de Tassa, Gitrog et Lich. Surtout deux cartes en fait, c'est Ouais. Monstre de Gitrog et Lich de Souterrain. Alors le Monstre de Gitrog, c'est une carte que vous devez crafter parce qu'elle était dans un Hall de Brawl, non? Je crois qu'il fallait faire un certain événement sur Magic Arena Je pour me la rappelle gagner, plus donc le si vous nom. n'avez pas fait C'était le Brawl, l'événement, ouais, mais je me rappelle pas voilà. le nom. C'est Hall des Amateurs de Brawl, C'est voilà. ça. Et si vous n'avez pas fait l'événement, il faudra le crafter, Et évidemment. si vous avez fait l'événement, vous n'en avez qu'une. Donc il faut en crafter d'autres. C'est légal en historique, c'est légal en Brawl historique aussi, forcément. Et en Brawl, pas historique d'ailleurs aussi, Ouais, Monstre de c'est Gitrog. une bien belle carte. Bien belle carte, qui dit que du coup c'est une 6-6 pour 5, créature légendaire, grenouille et horreur. Elle a le contact mortel, au début de votre entretien vous devez sacrifier le monstre de Gitrog, à moins que vous ne sacrifiez un terrain. Si vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, et à chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, vous piochez une carte. Donc en gros, début de votre entretien, vous sacrifiez un terrain à la place de sacrifier lui, et vous piochez une carte. Et deuxième partie de la combo, Lich du Souterrain, carte de Ravnica qui n'a jamais été jouée. Jamais. 4-3 pour 5 en Golgari également. Zombie et elfe et chaman. Si vous deviez piocher une carte, à la place, regardez les 3 cartes du pseudo bibliothèque, puis mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Et vous pouvez payer 4 points de vie pour que la Lich du Souterrain acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et l'engager. Oh, tu t'es égaré, surmondain, dit le texte d'ambiance. Surmondain, Oh, t'es un surmondain, qu'est-ce toi. que c'est qu'un surmondain? C'est un mec qui est mondain, mais vraiment beaucoup plus mondain que les autres. Je pense que c'est un mondain, mais de la surface. Genre, ah peut-être. Parce que moi je voyais plus un mec qui aime bien les soirées parisiennes, mais vraiment de la haute, tu vois. Ouais, où il y a tellement peu de gens qu'il n'y a que lui. C'est Mais elle est vrai. ouf cette soirée. Il est vraiment surmondain de ouf, Et quoi. du coup, la petite combale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début de notre entretien, ou pas forcément d'ailleurs, on va vous sacrifier un land va au cimetière, en tout cas, peu importe d'où ils viennent, vous piochez une carte. Si vous avez ces deux créatures sur champ de bataille, à la place de piocher, vous regardez les trois cartes du dessus, vous en prenez une dans votre main, vous mettez le reste au cimetière. Si dans les cartes que vous mettez au cimetière, il y a un land, ça trigger encore le monstre de Gitrog, Et et ainsi ainsi de de suite. suite, en fait, jusqu'à meuler complètement votre bibliothèque la plupart du temps. Et dans l'opération, vous allez trouver Orc de Tassa. Vous ne pouvez pas vous meuler parce que c'est un effet de remplacement, la Lich. Donc si jamais vous arrivez à zéro carte dans votre bibliothèque, si rien ne vous fait piocher, vous ne pouvez pas mourir. Enfin, si quelque chose vous fait piocher, pardon, vous ne pouvez pas mourir parce que ça va remplacer, ça veut dire que vous regardez les trois cartes du dessus, même s'il n'y en a pas. Donc vous Exactement. regardez rien. Donc tant qu'il y a la liche, vous ne mourrez pas la meule. Exactement. Vous êtes mille pouf. Et le but du coup c'est de trouver l'orgue de Tassa pour la jouer du coup dans le tour avec deux mana bleus Bon là, la et réponse gagner. à ta combo avec Pyrine to the Abyss. Lich Souterrain.
Ah oui. Pas melee, quoi. Ah, pas melee. Ah, pas melee du tout. Pas melee. Bah, du coup, carte de side pendant 2 mois. Mais obligatoire. Tout le monde joue minimum Golgari. Sinon, instant meule. Le deck à côté, il a plein de moyens d'aller chercher Exact. bah, nos monstres de Yitrog et nos Lich Souterrain, ou alors nos Massacreuses pour faire un petit clean, un petit Razzboard tranquille, donc avec Artisan Fielleux, en piochant avec Uro. On a aussi de la gestion avec Mister Cavalier Meurtrière. Le Rangeur Jadefeu, ça permet bah, de trouver nos Miss. terrains. Miss, c'est vrai. Missise, Cavalier Mrs. Meurtrière. Effectivement, Cavalière, pardon. Le Rangeur Jadefeu, eh bah, écoutez, pour trier un petit peu le pack, trouver des terrains, poser un bon body, c'est une carte que j'affectionne beaucoup. Pas mal d'accélération, on a 29 landes dans le deck, à la fois pour pouvoir trigger très régulièrement sur la Lich Souterraine et le Gitrog Monster, et à la fois pour pouvoir s'accélérer et pouvoir rentabiliser l'épaisseur en début de partie. Le petit F de la Noire pour s'accélérer, et voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et Umori, Et Mori aussi. pour l'anecdote, voilà. Bah, Osef. Umori permet de curver potentiellement la. De jouer pardon, la combo dans le même tour. Puisque si tu réduis le coût de ta créature de 1, ça fait que les deux cartes coûtent 4. Et si tu t'es accéléré, tu peux dans le même tour jouer les deux potentiellement. Je sais pas si Ouais. c'est le but, mais Non, ça peut je arriver. pense surtout que le deck est full créature et que du coup il mourrait gratuit dedans. Aussi, Je le ouais, vois plus comme effectivement. ça, moi, pour le coup. Yep, un petit side pour ceux que ça intéresse, mais nous on va partir en BO1 parce que le but c'est juste d'essayer de faire la combo, de vous De la se faire montrer plaisir. et de se faire plaisir, sachant que tous les decks, enfin beaucoup de decks en tout cas, qui ont une combo comme ça, ont un peu plus de mal après side si jamais en face il y a de quoi la disrupt. Nous, c'est pas une combo qui est forcément attendue donc ça va. Mais voilà, vu que le but n'est pas de gagner des parties, de vous montrer que le deck est fort, mais juste de montrer la combo, bah, ça fait plaisir. C'est presque du junk en fait. Ouais. On joue juste une interaction qui nous a plu et qu'on essaye de faire marcher de la meilleure des manières, quoi. Et Brocos, du coup, a changé de tête. Tout à l'heure, il n'avait pas cette tête-là. C'est vrai, ils l'ont mis en version Godzilla. Il a quand même des volcans sur les épaules, quoi. Alors lui, Il est vénère. il baise un max, quoi. Ah, mais. Il a des volcans, quoi. Que Ouais. des créatures, du coup, dans le side, du gain de points de vie pour tenir l'agression avec Guérisseuse et Triton. Et également pour prendre des trades. Cavalière Meurtrière, des gestions de plus. Ceratops, parce que ça tue des monos bleus qui seraient méchants. Potentiellement avec nous. Et Brocos, bah, vu qu'on va sûrement se meuler un peu tout notre deck, bah, on peut jouer une 6-6 de notre cimetière. Donc je suppose que c'est pour grind en fait C'est ça. certains Ce decks. que j'aime bien avec ce deck-là, c'est que malgré que ce soit un deck combo, donc facilement disruptable après side, on a quand même juste un plan de jeu mid-range ramp qui peut un peu invalider toutes les stratégies, quoi. Midrange. Ton adversaire, il aura beau avoir de la hate de cimetière, bah ton deck, il est pas mort, quoi. Tu vas juste curver des bonnes bêtes. Et je Exactement. pense que c'est un deck qui est beaucoup plus puissant que ce qu'il en a l'air, entre guillemets. C'est parti. Je ne sais pas parler, quoi. Historical Aidez-moi. classement. Vas-y, je vais jouer ça, là. Je joue la première, tu joues la Vas-y. deuxième? Ou Ouais, mais pas? si On jamais je verra. vois que tu matrices le pack, je tu Que matrices, je matrise. que tu matrixes le C'est ce que pack. c'est matriser, c'est mater le pack et le maîtriser. En fait, c'est un pack sauvage. C'est un pack sauvage, je vais le mater moi ce pack, vous allez voir. Ah, t'as raison. Ready. Ready go. Ne vous inquiétez pas, le jeu bug, tout est sous contrôle. Ah, il bug fort en plus. Là, vous avez pas la souris, mais. Ah, Oh, PDD. c'est le petit frère de PVDDR. Ou alors c'est Puff Daddy. Ou alors c'est Puff Daddy, ouais. Oh, la ziggourat! C'est bien ça, les Tu sais que ziggourats. ziggourat, ça me fait penser à zigounette. C'est normal. Ça Donc. ressemble extrêmement, et il n'y a pas beaucoup de mots qui ressemblent à ça. Ah, c'est vrai, vas-y, on va regarder. Le mec commence par bande sable isolée, quoi. Au calme. Ah, j'ai peur de rien, moi. C'est vrai que ziggourat, du coup, c'est aussi un upgrade à avoir un pack full créature. Ah oui, c'est Un juste mana un. multicolore. Ça donne la couleur de ton choix. Easy. Et c'est bien quand Mais pas même. pour le cavalier, tu vois. Tu pourras pas la caster en tant que spell. Ouais, c'est dommage. J'allais dire, ouais, c'est pas grave, si c'est grave. Genre, on va pas se mentir, c'est grave. Je voulais pas vous mentir, tu vois. À moins que tu dises au jeu, je veux du mana pour caster une créature. Et après, tu fais. En fait, c'est un petit En spell. fait, j'en sens spell. Ouais, ça marche que IRL si t'es pas gentil, Si t'es quoi. filou. Ouais, c'était filou. Oh, solide! Non, bah, non, non, non. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je voulais faire Uro. Tu préfères Ranger? Ah. Ah, on a trois rangers, donc je me disais qu'avoir un bloqueur, c'est peut-être mieux. Ok, vas-y, let's go. Ah, attention! Les petites boules roses. Bah écoute, moi ça me va pour Double 3, 2, draw. 1, draw 2. Solide. C'est vrai que on a Nickel. oublié à quel point c'était bien Ranger jeu de feu. Ouais. Je vais vous le rappeler moi sur cette vidéo, les gars. C'est faible ça. On aurait pu quand même avoir un bon bloqueur qui prenne pas Bone Crusher Giant. Hein. Ouais. J'allais dire, oh, il m'aurait coûté 3. Non. Ouais, bah écoute, re-Ranger. Hein. Re-Ranger. Nedro de Land. Mets-donc un Et hier, tombeau. pendant mon stream, il y a un mec, il a fait je prends 3 mana, fin de tour. J'étais en mode ah, le nul! Non, il a juste mis son compagnon dans sa main.
Fin de tour? Bah, il avait fait genre j'engage 3 terrains, fin de Ouais. tour, et j'ai pas vu en fait qui son compagnon était venu dans sa main. Ah, ok. J'étais en mode mais pourquoi il fait ça le con? Je voulais être full tap. Alors que le con c'était moi. Depuis tout ce temps, le con, c'était Le toi, con voilà. c'était moi, putain. C'est fou. Je croyais qu'il avait fait la fin de ton tour. J'allais dire, bah, il a juste triché là. Je sais pas comment il a fait. Ouais, non. Viens-moi ce bassin d'élevage Je le vire? là. Ouais. Dégage. S'en fout. Bon, la massacreuse qui va faire le taf là. Oh là là, elle va faire le taf. Oh, il donne tout. Oh là 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 là. Oh putain, il donne tout. Oh là là. Génial quoi. Pas de bloc. Un Ah, bloc comme ça massacre sur rien. ceux-là ils sont vraiment Oh là là, le génialissimes quoi. Guitrock est pioché derrière. C'est un massacre hein. On appelle ça un massacre hein, dans le milieu. C'est un massacre. Une massacrerie. Scramassax. Le Scramassax, effectivement. Tu m'avais posé cette question pour le show de Valet PL. Nanana Oh, regarde, elle se nanana. trémoussait. Elle se dandinait, la Oh! petite chouette. Elle se Elle se dandine dand, elle se encore. dandine encore. Cesse donc de te dandiner. Ouh, c'est dur à dire. Cesse donc de te dandiner. Cesse donc de te dandiner. Enfin, vous l'avez fait chez vous, je le sais. Paulo Vittor d'Amodarosa propose de petits plaies. Plus facile. Non. Cesse donc de te dandiner. Franchement. Cesse donc de te dandiner. Paulo Vittor d'Amodarosa propose de petits plaies. Paulo Vittor d'Amodarosa propose de petits plaies. Propose plein de Ah, petits mais nous, plaies. on est chaud aussi. On est Voilà. casteur, Est-ce que vous êtes on est chaud? castier. On On est. bafouille pas du tout ce genre de choses, ça n'arrive qu'aux amateurs quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je mettrais bien Guitrog là parce qu'il est à poil. Parce qu'il en a des grosses, hein. Aussi, eh, ça bloque bien Guitrog. Ah, c'est vrai que On ça veut bloque pas que bien. ça bloque, mais ça bloque bien. Oui, Oh, c'est c'est une vraiment vache. Oh mais tu peux en mettre autopilote. deux. C'est autopilote ce deck. Tu peux vous faire autre chose du coup? Non, je peux pas. Je bois de la très bonne eau, Il est bien ce le jeu, non? chanteur. Oui. Il est musclé, hein. Enfin, elle est musclée. Bah, c'est un monstre, mais c'est une grenouille. C'est vrai. Doute. Oh, il est bon quoi. Upkeep, viens-moi ce banc de sable isolé. C'est vrai qu'il est OZEF quoi. Oh, c'est solide. Allez, donne-moi une liche qu'on gagne. Je vais aller fetcher, je pense. Si tu fetches, tu pioches avec le monstre. Écoute, fallait pas m'en dire plus. Non, mais voilà, il fallait pas m'en dire plus. Moi, Parfait. tu me parles comme ça, donc. Parfait. Perfecto. Reprends une île Je vais prendre une île. Une belle île en mer. pour rien en fait. Parce que t'avais envie. Ouais, t'avais Ouais, juste c'est bien envie une que je île. reprenne une île. C'est bien. Ah, tu peux pas payer l'échappée d'Uro, je crois, avec les ziggurats. Si. Tu Hey, je sais peux pas. sacrifier un quartier fantôme pour piocher, mais je crois que là on peut juste faire Ranger ou Uro. On fait juste Uro, hein. C'est ce que je vous disais, il y a un plan mid-range extrêmement qualitatif dans ce deck. Je vais grind le ladder avec ça. Venez me voir en stream. Franchement, c'est trop solide, hein. Je vais pas faire ça, mais ouais. Bah pourquoi pas. Je pense que la game d'après va répondre à ta question. Bah ok. S'il se passe ça, je grind le ladder avec ça. Full win, Parce j'annonce. que moi j'adore, c'est mes couleurs, hein, tu le sais. Donc. Vidéo full win. Full win. Mais tu sais quoi, le jeu sent que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo à deux. Enfin, on en a refait hier récemment, Il veut mais nous mettre yinde. tu vois, on a fait, on Ah bah on sort redémarre, tu 3 mois de vois. confinement quoi. Exactement. Donc le jeu se dit. Ah, je les régale. Et il y a des gens qui disent ouais mais Les deux concons, là, je les régale. vous êtes déconfiné, vous êtes vu pendant le confinement. Faux. Ah, pas du tout. Pas du tout. Très respectueux Oh, de on en parlait. Oh, Matrix. le nom est entre nous, regarde. C'est dingue, hein. Non, Comme si on a ça nous été présentait. extrêmement respectueux. Moi, je disais à Val, allez, viens. Il disait non, je viens pas. Et il est pas venu. Oh, c'est pas vrai, il me demandait pas de venir. Allez, juste une petite vidéo, là. 5 minutes, on met pas les cams, comme ça, ils savent pas. Chut. Oh! En fait, il était juste à côté de moi Oh! avec une autre webcam. Je sais ce qu'il fait, lui. Ah oui. On va garder le banc de sable, du coup. On va juste lander tape, je crois. Ouais. Oh, lui, ça va aller trop vite pour nous. Ça dépend ce qu'il fait, mais ouais, il y a de grandes chances. Ah bah voilà, j'allais dire, il va enchanter un truc là déjà. Mais on savait déjà ce qu'il allait faire. Mais. Ça tapait plus F de la noire. Ouais. Et le tour d'après. Après, tu fais Uro ou Cavalière si tu trouves un mana Si je noir. trouve le bon mana, ouais. Ok. Ça peut le faire. Attention, ça peut le faire. Est-ce qu'on va le trouver, le mana noir? Telle est la question. Calme-toi, toi, un peu, Matrix. Non, pas ça. Bah, du coup, je vais poser. Tu peux Non, on casser s'en Uro fout, en d'abord. fait. On va d'abord faire ça. Et je garde l'elfe. Ah non, je peux. Je Tu peux fais Ziggurat, Ziggurat, Uro, banc de sable. passage. Ah, mais je peux aussi banc de sable, Uro, passage. Recycler banc de sable. Et je peux quand même caster Uro. Solide. Il aurait fallu faire ça avant de poser ton land, parce que si tu top deck un noir, tu pouvais tuer un hélicoptère dans le tour. Ouais, mais bon, maintenant,
foutu pour foutu. Ça changeait rien du coup. It's ok. Ouais, gros, mais c'était bien d'y penser, safe. Effectivement. On pouvait se donner une chance. Donnons-nous des chances. Passage, il faut aller chercher maintenant. Okay. Tu peux faire maintenant si tu veux d'ailleurs. Ça revient même. Je ferai fin de tour. Tu veux gagner du temps pour pas que ça te demande. T'inquiète. Pardon, il joue beaucoup de bleus ou alors il les a juste piochés. Ok, ça va. Ouais, ça c'est ok. This is not the worst. Quand même, on prend des points. Hein. Sympa. Hein. Ouais, on a gagné des petits points donc ça va. Cavalière qui va faire le taf ici. Hein. Ouais, Malanois. Et là, tu peux Ziggurat et peut-être Oracle de Tassa. Ouais. Pour faire quoi? Pour avoir un bloqueur. Juste pour avoir un bloqueur random. Ouais, et en plus Scry un petit peu. Mais non, mais attends, on peut juste faire Uro et Cavalière en fait. Ah non, oh oui, tu peux faire Uro et Cavalière. Ah ouais, t'as 6 mana. C'est un peu mieux, je pense. Ouais, non, c'est mieux. On va détruire Ornithopter, on est d'accord, ouais, plus ouais. Que le Grand Serpent. Même si le Grand Serpent est aussi un problème à terme, bah, parce que le Uro ne. Ouais. Enfin, tu bloques mal le piétinement, donc on peut le bloquer, mais pas vraiment. Ouais. Mais disons que ça grossira moins que tout ce qui brille. Bah, tombe aquatique, parfait. Solide, ouais. Et non, on a rien à jouer. Tour d'après, on a un Uro. Faudrait trouver juste une autre gestion pour ça. Il est un peu au top deck. Donc. Ouais, il pioche pas mal de landes, c'est. Yes! Full win. Putain, c'est le meilleur deck. Ouais. Mais il le savait, là. Hein. Qui était dans la demeure. Est-ce que tu me fais passer platine? Ouais. Ah, je te fais passer plate, instant. Si je touche la souris, tu sais que ça va toute nuit. Si je touche la souris. Non, mais c'est bon, je garde la main. Qu'est-ce qu'on a à bafouiller? Je sais pas. La fatigue? On a des patates dans la bouche. Ouais, des patates chaudes. Oh. Bientôt, on va faire plein de vidéos comme ça, d'ailleurs, des gages en mode un maximum de chamallows en même temps, de faire une vidéo. On fait une dégustation en jouant à Magic Arena. Voilà, dégustation quand ça ne met pas trop. C'est saut 2017, les C'est fou. Il faut faire le buzz. Voilà. Les dégustations. Eh mais tu buzzes plus avec une dégustation. Justement. Quand les gens vont chercher en mode ah, je regarde les vieilles vidéos. Maintenant, faut croquer des glaçons. Ah en ouais direct. Ouais. Mais genre croquer. Ice Croc Challenge. Vénère quoi. Genre t'as un bac de glaçons et tu suces pas quoi. C'est le glaçon qui te croque. Tu croques le glaçon. Parfait. Elle est parfaite celle-là. Ah si, je peux. En fait, on n'a pas double vert. Vas-y, garde. En vrai, on n'a jamais fait Pesseur ou Alphur. C'est Yorion, il ronfle. Ah, je sais pas quand même. J'aime pas trop. Moi je mouliganerais, tu vois. Ah, faut la garder celle-là. Je te fais confiance, mais je te fais pas confiance. Je suis expert en main de départ. Enfin, je te fais. Enfin, non, comment dire. Je te fais confiance, mais je te fais pas confiance. C'est pas possible, mais. Genre, je t'écoute, mais j'y crois mais pas. Mais je te crois pas, ouais. Voilà, c'est ça. Ouh, ça ronfle ça. Putain, c'est quoi ça? Putain, il est bon quoi. Pas une source de verre ça? Putain, il est bon. C'est un petit boule? C'est une source de verre. Après, non, on a toujours. Nickel, hein. On a pas d'elfe, pas de pesseur, tu vois. C'est pas trop la source de verre qui manquait à cette main. De toute façon. Tu veux un pesseur, voilà. Ah, attends. Ah, il sait pas que Lucas est banni. Pas de problème. Quoique, tu t'es pas obligé d'aller chercher maintenant. Bah, si, parce que je veux plus piocher de l'angle. Ouais, ouais. C'est pour m'enlever, pour m'enlever le droit. Chances, ouais. Voilà. Juste m'enlever une droite. Ce tombeau sera notre tombeau. Bonjour, Isanobi. Bonjour. Dis bonjour à YouTube. Bonjour à YouTube. Bah tu vois dans ta liste d'amis toi ils sont polis, ils disent bonjour. Moi ils m'envoient des duels. Ouais. Et quand tu dis non ils te répondent connard. Non c'est pas vrai, ils sont adorables. C'est faux. Imagine. Je compte moi, non, connard. Bah je t'en prie. Horrible quoi. Ranger Jennifer. Cimetière. Ah je m'en cague. Je m'en cague de ce ranger. Ah, je m'en fous. Ah merde, j'allais dire, tu peux mettre des cimetières, des landes au cimetière pour piocher avec Gitrog, mais tu peux pas, t'es obligé de piocher. Ouais. Ah, c'est anti-synergique ça. Hein. Pas bon ce deck. Hein. Je vais cutter quelques cartes. Des landes. Tout ce qui n'est pas la combo. Tout ce qui n'est pas la combo. Comme ça, je sais que si j'ai une carte active, c'est parti de la et combo. Tu la joues comment? Bah, je la pioche. Ouais, mais si t'enlèves les landes, tu veux comment? Non, tout ce qui n'est pas des landes. Ah, d'accord. Okay. Mais ça, on s'en fout, ça. Play fébrile, moi je l'appelle. Ouais, on va faire Elf into Ranger, je crois. Là, tu peux pas, non, je peux faire pas. Ça. Tu peux Uro et Elf. Et t'as des landes à poser, donc c'est bien. Ouais, c'est ce qui va se passer, je crois. Je
Ziggourate. Ouais, ça pas trop. Il n'y a pas d'upgrade à poser l'un ou l'autre. Ziggourate. Ziggourate, pourquoi pas. Ouais, il joue quoi Il joue Lucas pour aller chercher quoi, attends, lui. Fais donc voir. Est-ce qu'il dit bonjour à YouTube? Oui, il a dit bonjour à YouTube, Wissanobi. Ah. Bien sûr. YouTube te dit bonjour. Merde. YouTube te salue. YouTube te salue. C'est comme ça? Ouais, je crois. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Merde. Il l'a mis dans sa main quand le Yorion? Au tour 3? Ils sont vicieux. Ah oui. Vicieux. Ah, ouais, ouais. Bon, parce que nous, on n'a jamais envie de faire Umori. Hein. Tu peux massacreuse pour tuer notre elfe. Ouais, c'est un bon plan. Je vais y penser. Tu peux juste Ranger, là. Ouais. Ranger, ça, Ranger fonctionne, ça fonctionne bien avec Uro, Ranger, c'est pas mal. Mm. Quand on pioche pas tout le temps des landes. Tu peux encore Ranger, en plus. Ouais, ce qui va se passer, je crois. Nickel, ça. En vrai, on peut aller chercher Gitrog et juste essayer de partir en combo instant. Hein. Ouais. Ah putain, c'est pas le Gitrog, quoi. Cimetière. Ouais. Tombe aquatique dégagée pour le banc de sable. Ouais. Ok. On avance bien dans le deck. Il reste combien de cartes? 39. Il reste 3 Gitrog, ça va. Tu colles combien d'allumettes avec 39 tubes de colle? 2747. Oh, beaucoup plus. Beaucoup. Non, mais moi. Beaucoup. Ah, toi, tu fais ça? Ouais. Ah, mais du coup, il y a beaucoup de colle, quoi. Ah, mais c'est solide. Je te dis qu'il n'est pas cassé, mon truc. Hein. Très, très solide. T'as pas compris que c'est toi le bit donné, After? Bah, surtout, on va se prendre à notre tour pour 5. After! Il n'y a pas plus fort. Mets-y tous les points dans Tef, là, histoire qu'on se prenne Vras. J'y mets tous les points dans Tef. Ah, il a voulu caster une carte, là. Je prends quand même le mana en réponse, comme ça, ça sert à rien. Ouais, bien joué. Ouais, s'il a Settle, vaut mieux juste attaquer avec les Rangers. Les Rangers? Rangers. C'est des Rangers dangereux. Rangerous. Et ouais. Avec Léron. Et ouais, c'est Bing. Du coup. Tout ce qu'on fait, Nulboon, c'est un enfer en fait. Non. Si, si. Uro. Oui. Allons-y. Qu'est-ce que j'enlève? Tiens, un Ranger. T'as pas gagné ta place, mec. Je crois que tu peux tout enlever parce qu'on reprend pas des cimetières. Ouais, mais j'aime bien avoir un beau cimetière, tu vois. Et il peut avoir un doute. Moi, je laisse les cartes les plus chères dans le cimetière. Comme ça, les gens qui passent à ma table, ils sont là en mode oh, il a de belles cartes. Oh, Mésine, un tombeau, et tu vas faire cavalier sur son tef. Solide! Allez. Eh non. Eh non. Ziggourate, ça paye pas. Ça paye. Ah, ça fait même pas un incolore Mais solide quand même. Solide. Voilà. Je savais que j'oubliais un truc. Je croyais que ça faisait un incolore. Non. C'est non, que c'est... du mana pour la créature. Bah c'est. Faut que ça ait un défaut quand même. Ouais. Oh le petit chameau. Bah c'est pas grave, j'accepte de me faire bouncer Uro. Non, okay. Mais t'inquiète. Ok. Ah, on est bien, on est bien. Il est comme ça. Ah, il est comme ça, il va se la jouer comme ça, lui. Il n'y a pas de problème. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais Bounce pas. On a un petit Elspeth Concardes, After. Bah, il a tout, After, je crois. Si t'as Quench sur 80 cartes pour répondre à l'anti-bête sur Tef, c'est que t'as tout. Ah, c'est vrai. Oh, il a double clairon. Ah, il gagne des PV. Je comprends pas son attaque, là. Ah, ok. Ah, bah, il a vraiment tout. After Effect. Adobe After Effect. I have a plan. Moi je ferais Umori, je le joue. Pour l'obliger à Bounce. Tu crois que c'est bien ça? Bah s'il le fait pas, on gagne avec les combos le tour d'après. Le tour d'après on gagne? Ouais, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va poser 9. Ouais, parce que là je tour d'après 10. Si on trouve. Je peux Gitrog piocher 2 cartes, hein. 3 cartes même. Entre... Ah mais il va te le Bounce et en fait tu feras jamais la combo. Et nous il nous tue. Faut essayer, je pense, de gagner. Enfin, il nous tue. Et si tu mets allié tranquille engagé, tour d'après, on part en combo. Donc je mets allié tranquille engagé là, je ne pioche pas. Ok. En fait, il faut qu'on ait 10 landes. Ouais. Là, on a 9. Et avec Artie Fantôme, 10 dégagés. Si tu mettais allié tranquille et que tu piochais pas de landes. On est yimbe. Enfin, pas de landes dégagées. Non, mais on est yimbe, t'inquiète.
Quoi qu'il n'y a que des landes dégagées à part aller tranquille et bande ça. Allez, Bounce-le là, t'en meurs d'envie. Merci. Oh, il se fout le tap. Ah, mais il faut Imori pour partir en combo. Bah non. Ah, si. Enfin, dans tous les cas, on peut mettre les deux. Ah oui, mais on n'aura pas de moteur de draw. Ah, de toute façon, il n'y en avait pas en fait. On pouvait tout poser, mais ouais. Ça marchait pas. Merde. Ouais, mais là, il aura peut-être pas envie de tuer son Tef pour bouncer notre Gitrog. Donc, il est ok. Ah putain, si on partait en combo avec ce passage. Ouais. Ah, mais attends, on part pas en combo là. Toujours pas. En fait, tu pars en combo, mais tu joues pas Oracle. Ah, du coup, ouais. Il te bounce Leash et il dit à toi. Et on est mort. Bah, je peux quand même Gitrog et piocher des cartes avec passage merveilleux. Hein. Fais Humori d'abord. Oui, enfin il peut pas. Ah si, il peut quand même nous contrer. Ouais, hein. Ouais. Il peut avoir dispersion d'essence, effectivement. Putain, il a un truc. C'est fou ça. Hein. Il y a toujours un truc. Non, j'ai pas envie de rack de Tassa maintenant, de toute façon. Me dis pas que t'as un Quench, gros. Putain, il fallait land avant. Bah ouais, mais non, enfin oui. Mais en fait, moi je voulais utiliser le passage sous Gitrog. Comprends-tu? C'est le pire. C'est le pire. Qui joue Quench en BO1? Aftor, et qui les pioche? Les deux? Putain. Putain, putain. En plus, il joue Lucas, mais il va chercher quoi avec son Lucas? C'est fou, cette vidéo était superbe, et là, ça me donne envie de mourir. Non, mais elle reste superbe. Mais elle reste superbe. Elle reste superbe. Mais bah, genre, moi là, je prends un plaisir, t'as pas idée. Mais genre là, la séquence qu'il nous met. Ouais, c'est. C'est diabolique. C'est méchant, en fait. C'est diabolique. C'est purement méchant ce qu'il fait. Il aime pas Magic After. Il nous tue avec une 4-5. Fly, il a posé une bête. Ouais, c'est vrai. Et il a trouvé toutes les réponses. Écoute, c'est la vie, hein. Ça tue bien aussi. Non, 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 pop, attends, oula. Faut pas presser comme ça, je peux top decker. Je peux top decker. Comment il s'appelle? Gitrog, le monstre. Non? Elle est dépité. Parce qu'en vrai, je peux m'arrêter de piocher quand j'ai 30 cartes en main, mais qu'il me reste assez de cartes pour pas mourir à la meule. Hein. Non, tu peux pas t'arrêter. Bah, si, si tu décides de prendre les landes et que tu mets pas un land au cimetière, tu peux largement. Ah oui, mais il faut qu'il y ait qu'un land et deux cartes actives. Ouais, ça va, ouais. Ça va arriver, hein, t'inquiète pas. Genre, s'il y a Gitrog, en vrai, on est ok. Hein. Oui, tu peux, ça peut arriver, mais disons que c'est toi et ta chance, quoi. J'y crois. C'est la chance de ma vie. On a déjà passé un oracle ou pas? Non, tu peux en jouer un. Bah, mais ça fait pas piocher de cartes, quoi. Ça fait pas piocher de cartes. Je veux pas ça. Liche, hein. Ah mais du coup là on a perdu. On peut faire quoi? Il va bouncer. Il nous met deux trucs. On peut tuer le tour d'après ou pas? Non, on peut pas. Hein. C'est impossible. On aura le mana ou pas? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et il faut pas utiliser passage. Donc oui, on a pile le mana. Si tu ne joues pas Leash. On peut top deck Gitrog. On fait Gitrog Leash. On pioche. Ah mais non, on fera pas jouer l'oracle. Ah, non, il faut que tu joues Leash. Eh oui, ça fait quoi de. Il faut que j'ai Leash on board là. Ouais. En fait, je pensais tout piocher puis jouer Oracle, mais non, on n'a pas assez de mana pour faire ça. Encore vivant, les gars. On a un tour. On est encore vivant. Littéralement. Non, on a deux tours parce que Pesseur bloque le Yorion. Pesseur bloque le Yorion. Après, bon, il va commencer à faire des trucs lui en face. Et il va réagir. Il va réagir. Le gardement. Ah, on aurait pu faire des trucs quand même. Peut-être qu'il a juste un plan de jeu, ok, je joue plus Lucas, je joue juste Jeskai Control avec Orion. Ouais, en fait je crois qu'il a juste mis des cartes en un ou deux exemplaires et il se dit je vais piocher au bon moment et je vais gagner aussi. Le sel est présent. Salut la Guérande, bonjour de Toulon. On a démarré salon à Toulon, tu savais? Ah, hier. Ouais, ouais. Je disais ça au hasard, mais du coup c'est vrai. Oh ouais, ça pue ça quand on va à la plage. Oui, c'est vrai. Voilà. Pourquoi ça pue d'ailleurs? C'est du sel? Ah, j'en ai. Le sel, ça sent bon. J'en ai aucune idée. Le vrai sel pue? Je sais pas. Peut-être que l'eau stagne, l'eau croupie. Croupie, j'aime bien ce mot, je trouve. C'est vrai. Pas ce que ça représente, mais juste le mot croupie. Le mot croupir, ouais. Mm. Ouais, c'est sympa.
J'ai appris une espèce d'insulte médiévale récemment qui est très drôle. Tu veux la connaître? Saltimbanque. Gorpissou. Je sais même pas ce que c'est. C'est énorme, hein? Ah, c'est rigolo. Vas-y, bouge son racle. Un gorpissou, tu dis, quoi. Ouais. D'accord. Gorpissou. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, mais je sais que c'était. Mais tu sais que c'est médiéval. C'était médiéval et que c'était dit aux gens méchants, quoi. Ok. Ah, mais il va vouloir tuer Malish. Bah, tu la rends indestructible. Et ça coûte 4 pèves. Et c'est pas grave, on mourra dans l'honneur. Je crois que ça. Ouh, il a rien défaussé. Ça ne nous. Il a rien défaussé. On a perdu. C'est pas grave, je me laisse quand même le droit de taper des quins à Gitrog. Je le sens, il est du père, After. Il cherche. Est-ce que c'était la game de trop, celle-là? My turn. Est-ce que je fais pas un petit quartier fantôme pour aller me chercher une draw de plus? Enfin, virer un land de plus dans Il faut mon... que tu utilises ton... Ah, genre, mais tu te pètes un land, du coup? Ah non, mais non. Ok, non, c'est pas du tout Field of Ruin. Ah non. Chier, connerie. Il est pas bien joué, lui. Bah, en vrai, il a bien joué et... Il a bien pioché. Je sais pas, est-ce qu'on n'est pas orienté par notre déception aussi, tu vois? Je vais prendre la souris, Val, et je vais partir en combo la game qui arrive. T'en fais une là. Petite, là? Et on l'a pas vu, la combo. Ouais, enfin, on l'a compris, quoi. Nous, on l'a compris. Allez, vas-y. Les viewers se demandent. Les viewers se réclament. Putain, j'ai saucé deux mecs, quoi. Les viewers scandent. Il n'y avait pas Mais besoin de la combo. C'était déjà bien. Ah, c'était solide. J'ai saucé deux mecs. Mais là, je te dis, je vais partir en combo, et les gens vont juste rester baba, en fait. Au on rame. Faire oh, toutes sortes de baba. Un baba au rhum, c'est pas... C'est un gâteau. Enfin, c'est un gâteau, c'est une pâtisserie remplie de rhum. Ouais, mais c'est pas incroyable, je trouve. Ah bah, si t'aimes pas le rhum... Ils ont pris un gâteau, ils l'ont trempé dans le rhum, ils ont dit c'est bon. Ouais. Et ouais, si vous aimez le rhum. Mais du coup, tu peux juste boire le rhum si t'aimes le rhum. Oui, c'est vrai, tu peux le voir comme ça, ouais. Keep. Après, un banana split, si t'aimes bien la glace, tu peux manger une banane à côté, quoi. Non, parce que banana split, c'est bon. Alors que baba au rhum, c'est pas bon. Pour Sauf si t'aimes le rhum. C'est vrai. Bah, moi, j'aime pas le baba au rhum, mais peut-être que c'est exceptionnel. Hein. Non, je pense pas. Je pense que c'est super répandu. Je pense que c'est horrible, en fait. Que les gens vous mentent. Tous ceux qui mangent du baba au rhum, vous ne savez pas que c'est pas bon. Je vais poser mon oracle. Tu fais Uro... Ah non, tu pas peux trop pas. Mourir, là, je crois. Il est 1-3, l'oracle? Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Mais vraiment, c'est pour pas trop mourir. En fait, j'économise 2 pefs que je vais redépenser, mais... Et tu veux, hein? Tu veux trouver des landes? Tu en veux un? En hein, fait, ouais. Je vais jouer Uro tour prochain. Est-ce ben que non. j'en veux vraiment Tu un? vas pas jouer Uro, t'as pas de lande à poser. Non, mais tu as pas de lande à poser avec Uro. Donc tu vas pas jouer Uro, tu vas jouer Ranger pour bloquer et trouver des landes. Oh, putain. Il est solide là ce Ranger. Hein. Meilleur draw. La meilleure draw, c'est Gitrog, ils ont pas en combo. Mais tout le monde joue Grul par contre. Mais ça nous va. Hein. Très peu d'interaction. Nous, oui. On a juste des meilleures bêtes que lui. Ok, tu fais pas le meilleur start, mais c'est un bon match-up en vrai. Ils sont l'épaisseur et les elfes en fait, juste. Ne sur pose, 4 games ne là. Ne pose pas ce genre de questions, ça pourrait, on pourrait se fâcher avec le deck. Ça irait de se fâcher. Allez, monsieur. Merci. C'est gentil. Hein. Et là, il fait Jean Craco aussi, tu l'oracles. Prévisible, c'est genre de drôle. Ah, c'est ouf. Après, et il trouve encore un truc à jouer, quoi. Merde. C'est quoi l'expression avec vaut mieux que qu'un tu l'auras? Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Eh ben, un tien vaut mieux que deux tu l'oracles. Cimetière, hein. Ah, dégage. Nous, on veut des manas, là. Eh, tout ça, ça s'en va. Mais du coup, t'as et un bon bloqueur. 4-3. Il va avoir double géant Krakos. Émissaire brûlable, brûlarbre, géant Krakos. Bête de quête, j'ai en Krakos. Marche pas. Elle est solide sa sortie. Allez, attaque donc, jeune. Il y a un côté gros sexe à s'y fait, tu vois. Alors, si je tue ça, il peut en rejouer une. Ah non, mais tu vas tuer ça. Et ça devient 4-4. Alors, si je tue ça, il peut pas en jouer une. Et ça reste 4-4. Ouais, donc je tue ça en fait. Ah, je pense qu'il faut quand même tuer ça. Je comprends l'idée, hein, mais. Mais j'ai peur. J'ai très peur. C'est un 4-4. C'est bien. Oh, c'est bien un 4-4. Oui, c'est pas mal. C'est un gros moteur, quoi. C'est un 5-5. Oh, solide. Un oh bon crive. Ah. Bah, on va bloquer. Hein. Y a pas de problème, en fait. En
fait, t'as pas compris, nous on est chaud, on prend tous les trades. Ouais, il faut que tu trouves un land. Un land vert dégagé. Non, mais là, P3 mana pour pouvoir jouer ton 4-5. La merde. La merde, les compagnons, maintenant. J'en refais une, voilà. Ah, mais refais-en une. J'espère bien que t'en refais une, tiens. Il est où, mon remplate? Je m'avais promis. J'étais pas loin. Hein. On n'était pas loin. On va y arriver. On va y arriver. Sinon, au pire, on passe en mode nocturne. Ah, c'est vrai. Ou sinon, maintenant, on mulligan dans d'épaisseur. Ouais, mais t'es bien, ma main. J'ai pioché juste de la main. Bah, en fait, à chaque fois, elles sont bien, nos mains, mais voilà, on a que des tours 3 dans la main, quoi. C'est quand même chiant. Bon, là, on commence, donc ça va. Tu peux faire l'artisan dans Ranger. Oh, ouais, c'est cool. Oh, je m'en fous. Par contre, l'artisan demande la permission au Ranger, c'est toujours pareil. Hein? Bah, artisan dans Ranger. Oui. Okay. Oui, j'avais rien compris, c'est en mode, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Ça, tu vois ce que fait l'oppo? C'est mou. C'est super. Oui, c'est genre je bouibouite, je fais une combo avec Tezret, on s'en fout. Sans cag. Nous, on a une combo aussi. Pas besoin. Après, s'il nous met le bzzz, la vidéo est réussie. C'est mieux, même s'il le fait. Parce qu'on aura un deck combo. Putain, je sais ce qu'il joue. Il joue bridge combo, quoi. Oh, oh, oh. Alors. Oh. Non, mais attends, là, on est trop bien en vrai. Ranger. Tu peux faire Pesseur, avoir Gitrog dès le tour d'après, et tu pourras manger le Pesseur pour aller chercher la liche et gagner dans le tour. En deux tours. Sugoi Daska! Pardon. Donc tu fais Pesseur, Land, tour d'après Gitrog, et le tour d'après tu feras Pesseur dans liche et c'est GG. Ah non, mais appelle-moi si tu veux voir dans le Turfu. Hein. Non, là tu vas faire une bêtise par contre. Voilà. Point trop non faux. J'aurais pu payer 2, sacrifier pour aller chercher un elfe et faire encore plus de mana. Mais t'avais pas les 2 mana. Si, j'ai landé engagé. Ah, 1, effectivement. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça sert à rien. J'ai 5 mana donc. Oui, oui. Juste, on aime bien nous avoir du mana, tu vois. Gros, c'est un deck combo, mais on va le tuer avant avec notre propre combo. J'espère. Hein. Allez, Gitrog. Oui. Oui, monsieur. Parce que, rappelle-moi les gestions qu'il a en face. Il n'y en a pas. Oh, il a Walou. Ah, il a vraiment Walou. Et là, tour d'après, tu craques le Pesseur pour aller chercher une liche. On upgrade le Pesseur. Ah non, il faut liche. Que je paye 6. Ah, mais on les a. Ouais, mais je pars pas en combo. Mais c'est pas grave. Bah si, tu vas meuler tout ton deck, quoi. Ah, dans deux tours. Ce tour prochain, je vais le chercher et ensuite, je fais ça. Ouais, mais c'est pas grave. Si t'as meulé... Meulé. Je me suis compris, quoi. Il a meulé. Par contre, là, il est en train de nous tuer. Voilà. Bah comment? Tu vas vite comprendre. Ah, il joue ce qu'il meule là. Mais c'est pété, Breach. Regarde. Regarde donc ce que fait notre audio adversaire. Ah, s'il gagne maintenant, je refais une match normale. Je rage quitte. Non, non, mais attends, je veux voir. Je veux voir à quel point il est doué. Parce que les premiers breach, des fois, il les joue juste for value, tu vois. Il ouais, est pas obligé là, de nous tuer. Belle value, là. Bah, ça va, hein. Il nous tue comment, en fait? Bah, en faisant mox damp sur mox damp sur mox damp sur mox damp. Non, mais quelle est la létalité du fait? Bah, il se meule à fond. Oh, il se meule à fond, le gars. Ah, il a eu un oracle de Tassa? Ah oui, je pense. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'oracle de Tassa comme étant un enabler de combo. Mais dont personne n'avait besoin. Le monde s'en serait passé. Alors là, on est forcément mort parce qu'à chaque fois qu'il joue son Mox, il prend un mana et son Mox va au cimetière. Il se meule de 4, donc du coup, il peut rejouer le Mox. Du coup, là, il a meule infini. Il va mettre tout son deck au cimetière et prendre du mana à chaque fois. De manière extrêmement gratuite. La gratuité de ce deck. Ah, il est là, l'oracle. Alors, on a perdu. Allez, j'en fais une. Ah, je lâche rien, voilà. C'était. Mais après la game là qu'on va faire, je lâche. Oh putain, on repasse sur deux. C'était puissant quand même ce que faisait notre oppo. Hein. Mais en fait, on avait tous les deux le même plan de jeu, mais lui était plus rapide. C'est-à-dire, rien à foutre de l'autre, on veut juste partir en combo. Ouais, mais c'était vraiment rapide lui, tu vois, je trouve. Tour 4. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est la dernière, les gars. Hein. C'est la dernière des der. La dernière des der. Mais en vrai,
Ça me va, tu vois. On a quand même saucé des mecs. On s'est fait saucer par. On a montré de quoi le deck était capable, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça va, moi je trouve Ça bien ce deck. va. C'est bien, Tu c'est sais, bien. moi, un deck qui joue Uro, Non, le deck en vrai je le porte dans mon est très cœur. ok. Mais putain, y a pas ce truc qui accélère tout rien, quoi. On a 8 accélérateurs tour 1, on n'en a pas vu. Hein. Je m'en gagne pas, ça. Bah, au bout d'un moment, gros, faut commencer à mouligan. Mais y a que des belles mains. Ouais, je sais. Eh, mouligan, tu sais quoi? Genre pour voir. Solide. Mais je vire quoi? Tu vires une liche parce qu'on a plus de liches que de monstres. Et tu vires un. Ouais, tu vires le Gitrog, gros. Et ça va en dessous. Ah mais je vais les mélanger, donc ça va. Ça va. Horrible, ça va. Parfait ça. On voit un passage merveilleux, sinon tu pourras pas faire Uro au tour 2. Ah Ah je bah pourrais tu pas dans pourras tous les jamais cas. faire Uro au tour 2, ouais. Eh ouais, tu pourras pas. Tu y croyais? Ah, j'y croyais J'y fort. croyais pas moi. Moi, j'y croyais tellement fort. N'oublie pas de fetcher. Ça dirait de fetcher. Oh, putain, on tombe contre Nexus, gros. Ah, ça va. Ah, peut-être pas, non, c'est peut-être Golos. T'as moins. Ah, je préfère Golos, moi. C'est mou, hein. Ah ouais? Ah, Nexus, c'est si c'est. rapide? Comment? Nexus, c'est si rapide que ça? Ah, bah, tour 4, des fois, il part en combo. Bon, ok, ce deck, il est peut-être pas aussi. Enfin, assez puissant pour se battre en historique, malheureusement. N'oublie pas de fetcher. Ça gérerait de fetcher. Chamala noir. Ouais. Ok, Uro a posé le passage merveilleux. Enfin, en espérant même poser un deux landes en fait. Super! Et tu peux jouer artisan si tu joues dégagé. Donc vas-y. Oui. Oui, tu peux. Oui, je peux. Oui, tu peux. Et ça vaut le coup même. C'est superbe. Et tu prends un mana bleu. Ah, c'est génial! Mais mana bleu, je peux pas jouer artisan. Bah, tu prends pas un mana bleu, alors tu prends un mana vert. Il est de 2 quoi. Solide. Pas l'attaque. Ah, j'ai cru que t'allais attaquer Opaisseur là. Ouais, je voulais lui mettre un petit coup de T'allais lui 0. mettre 0 points là, cette espèce de Comme coup ça 13 comme ça. là. Hop là. Il gagne pas d'épève. Ah, il est bien son Opaisseur tour 8. Mais là, il commence à plus trop avoir de cartes en main. Ouais, après il va avoir un Field of the Dead et. Vas-y. Allez, à plus. Je laisse, faut que les gens voient. Que les gens voient. Voient? Oui, Voient? non, mais ils savent. Sache? Cruve. Bourbe. Brrr. Bon, on aura. Franchement, qu'il est difficile d'être junker sur Magic Arena. Franchement, bravo à ceux qui font, hein. Mais je sais que ceux qui font peinent Et pas, il aussi. passe du temps, quoi. Il passe beaucoup de temps. Voilà. Ah, c'est beau, hein. Il En nous vrai, tue là ou pas? on peut pas se mentir, c'est beau, hein. Il nous tue. Ah bah, je te laisse compter. 16 fois 2, 32. 19.32. On est mort ou pas? On n'est pas automatiquement mort. Attends, parce que moi Si, je mets une petite bête. on est bien, bien mort. Non, mais y a pas de solution, quoi. Regarde bien, Val. Ah, tu veux le voir d'où tu es? C'est-à-dire que On tu mets survit là. un. Et non. Si, si, regarde. Ah, je regarde bien, ouais. T'es en train de mettre un. Comment ça s'appelle, genre, quand tu achèves quelqu'un, tu vois? Une mise à mort en direct. Ah non, tu vois. Eh ouais. J'ai mal compté. Eh oui. Eh ben, c'est pas grave. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Et ça a été une démonstration de un deck combo? Non. D'autres decks combos? Oui. Bah, des decks combo plus rapides en fait. Des combos plus Nous, rapides. comme on l'expliquait en début de vidéo, on a un deck combo mais pas trop combo. On est aussi une espèce de midrange créature. Alors, on a vu que ça marchait bien justement contre les autres decks créatureux, notamment Oui. les decks Gruul ou quoi. C'est vraiment pas mal parce qu'on pose des meilleures bêtes que lui. Par contre, dans le côté goldfish de la combo vénère, non, voilà, on n'est pas les plus rapides quoi. C'est une course qu'on ne peut gagner parce que nous n'avons pas de chaussures. Est-ce qu'on a choisi de la gagner cette course de toute façon? Non. Voilà. Mais en vrai, il faisait pas ça.
Genre, c'était pas mal. Hein. Ouais, c'était cool. Parce Alors, que nous, tour d'après, on faisait rien. En vrai, les mecs gagnent pas. C'est pas mal. Hein. Ouais. Ils sont pas obligés de gagner. Non, ils sont pas obligés. Parce que nous, on a un plan de jeu qui peut gagner. Et oui. Il marche pas. Donc, leur plan de jeu qui peut gagner, il peut ne pas marcher. Ouais, mais moi c'est surtout le mec d'avant là qui m'a frustré quoi. On allait le tuer le tour d'après et il était bon quoi. Ah, moi c'est Yorion Master moi. Yorion Master. Yorion Master, Yorion Sam. C'était trop quoi. Voilà. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Notre chaîne Twitch, Volpel Magic Arena FR également. Si vous voulez nous voir en live, n'hésitez pas à vous cliquer sur le lien. Hop, vous arrivez sur la page, vous voyez le live. Voilà. Et si on n'est pas en live, vous faites follow, vous êtes averti du live. C'est facile. Voilà, c'est facile. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.